Bon, bah, comme ma vie c'est de la merde, on est toujours le 31 décembre, sauf que maintenant il est 15h13 et j'ai rien d'autre à faire avec personne d'autre. Alors, eh ben, faisons un peu de Siberia. Il me manquait une pièce pour lancer la bouse infâme là, laver les machines. Je sais pas, un genre de disque ou un truc comme ça. Scoop de présence. Ok. Bon, j'allais voir dehors, hein, si... Peut-être un truc à faire dehors. Ou par là, remarque. Parce que j'ai rien fait, je crois, sur l'écran à droite là. Ah, mais non, ça doit être une fois que c'est fini, je le récupère. Non? Il n'y a peut-être pas le bruit dehors, j'espère. Ah. Bouteille d'encre. On va aller voir ailleurs. Pas besoin d'aller là. Ok. C'est encore moi. Mademoiselle Walker. Je vais devoir prolonger la conservation de ma chambre. Mais autant de temps que vous voudrez, ça ne nous dérange pas, bien au contraire. On est ravis d'avoir un peu d'animation à l'auberge. Alors, combien de jours? Oh, je n'en sais trop rien. C'est une situation tellement inattendue et inhabituelle. Une vivante qui est morte, un mort qui est vivant. Ouf. Oui, effectivement, votre histoire n'est pas banale. Nous avions un cousin aubergiste à Brême. Lui aussi a eu des déboires avec un fantôme. Imaginez, il ne voulait plus dégager sa chambre. La seule façon de s'en débarrasser fut de lui concéder un bout de grenier. Il semble que mon fantôme à moi vive en Sibérie. Ah oui, pas banal votre histoire. Enfin, la chambre est à vous aussi longtemps que vous voulez. Ah ouais, je paye. Si seulement c'était mon souhait. C'est tout. Oh, je n'en sais pas. Ok. Je crois que je vais encore avoir. Vous nous quittez, mademoiselle Wolf? Non, je ne repars pas. Nous vous aidons. Ce n'est pas. On m'a laissé entendre que Hans Vorarlberg vit toujours. Qu'en pensez-vous? Baliverne! Le jeune Vorarlberg est mort accidentellement l'année de ses 18 ans. Tout le village en fut bouleversé.
Et j'entends encore ma mère me raconter cette sinistre tragédie. Allez donc jeter un coup d'œil au cimetière si vous ne me croyez pas. Ok. Qui est le jeune garçon qui... Que Dieu m'en... Quel... Mon Dieu. C'est vraiment adorable. Avez-vous bien connu... Oui, comme ça. Je vais aller visiter un peu Valadilène. À plus tard. Comme il vous plaît. Ok, un cimetière. Ok. Casse-toi. Voilà. Un cimetière. À moins que c'était vraiment en mode si tu me crois pas, va voir, mais. Je suis pas allé à droite là. Qu'est-ce qu'il y a là? Une église, bah, du coup, il y a peut-être un cimetière. Ah! Salut, papy! Bonjour, monsieur. Mes hommages, madame. Comme c'est plaisant de voir une si jolie demoiselle se promener dans nos bonnes vieilles rues. Asseyez-vous donc, que nous fassions plus ample connaissance. Cela aurait été avec plaisir, mais je n'ai pas le temps. Une autre fois, peut-être. Je l'espère, mademoiselle. Ah, je me souviens de ces rues pleines de monde. En ce temps-là, il y avait toujours une agréable rencontre à faire. Ah, notre bonne ville de Valadilène n'est plus ce qu'elle était. Effectivement, les choses ont l'air d'avoir bien changé. Nos enfants ont quitté la vallée. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie, n'est-ce pas? On ne peut pas leur en vouloir. Il faut savoir vivre avec son temps. Et ce n'est plus la fabrique Vorarlberg qui pourrait leur donner du travail. Vivre en marge du monde est un lourd tribut à payer, croyez-moi, mademoiselle. C'est pourtant un village si pittoresque. Mais on voit bien que vous n'êtes pas d'ici. Je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle. La fin. Il l'a réussi de ouf. Ouah, l'eau est tellement bien animée. Impressionnant. Non, non, pas encore un monastère. Pitié, pas à nouveau. Oula, attention. Allô? Kate, alors, quelles sont les nouvelles? On a un problème, monsieur Marson. Quel problème? Je vous en prie, Kate, ne tournez pas autour du pot. Il y a peut-être un héritier. Quoi? Hans, le frère d'Anna Vorarlberg. Il semblerait qu'il soit toujours vivant. Nous ne pouvons pas racheter l'usine sans son accord. Qu'est-ce que vous me racontez? D'où sort donc ce frère inconnu est... Et où est-il? Que dit le notaire? Rien. Enfin, rien de plus. Vous savez, monsieur, c'est un étrange pays. Des gens curieux et des choses étonnantes. J'avoue être un peu perplexe. Je dois procéder à quelques recherches. Écoutez-moi bien, Kate. Universal Toys est l'un de nos plus gros clients. Alors, étrange ou pas, vous ne rentrez pas à New York avant d'avoir réglé définitivement cette affaire. Vous m'avez bien compris? Oui, monsieur Marson, vous pouvez compter sur moi. Je... Et mince! Oh, bon, mince, j'en veux chier. Connard. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Une crypte? Je peux pas passer par ici. Mais si. Ah, un peu de musique, ça fait du bien. Y'a rien à faire là? Ok. Bon, on va rentrer, on va arrêter de tourner autour du pot. Si le monsieur nous a demandé de pas tourner autour du pot, on va pas le faire. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Ah! Non, bah ça, ça me... Ça me déplaît.
Ça me déplaît. Ouais, je mets mes engrenages. Yes. Ouais, enfin, sinon vous mettez une porte normale avec un escalier, puis ça fait la même chose. Hein. Cinématique. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ah mais moi j'ai plus rien. Hein. J'ai l'impression que c'est même le même truc. Ah, y a que ça. Attends, que j'aille là ou là, c'est pareil. Pourquoi je suis monté alors, ça sert à quoi? Y'a rien d'autre ici. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ça, c'est sacrément dommage alors. Fais chier, je croyais que j'allais le trouver l'élément justement. Il va y avoir un escalier là-bas, il y a peut-être encore un truc. Ça va être verrouillé 100%. Oh, même pas, putain, dinguerie. On va pouvoir le voler, Monkey Bank, je le sais. Hey. Des clés, des verrouilles, des trucs. Je ne peux pas l'ouvrir. Ce truc est coincé. Mais non. De l'encre. T'es nul, Kate. Je pense que c'est fermé. Inutile d'insister, c'est verrouillé. T'as une putain de clé dans ta poche. Au moins ça avance. Une clé. Qu'est-ce que je peux ouvrir avec cette putain de clé? L'automate qui est en haut là? M'étonnerait. Bon, je vais essayer parce que je compte pas revenir là. Il semble manquer un élément.
Voilà, je suis venu pour rien. Oh, pas passer les cinématiques, putain. Essaye, hein, mais bon. Absolument sans aucun espoir. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Je suis désolé pour le bruit que ça fait, mais c'est mon casque qui est pas pris en compte par le logiciel qui record. Alors, j'envoie un message. Je resserre tout ici en cas où ça aurait débloqué quelque chose. Je ne peux pas passer par là. Passer par là, j'envoie un autre message. Tout là, il n'y a rien. Je peux pas regarder les tombes. Je peux rien faire du tout. Et bon, on se casse. Parler au notaire, mais je vois pas l'intérêt. La clé que j'ouvre, mais j'ai pas vu un truc qui était verrouillé avec une clé utilisée. Alors... Je vais leur parler, mais ça sert à rien. Bonjour, monsieur. Vous ne voulez toujours pas vous asseoir 5 minutes avec... Oh, vraiment, je ne peux pas, je suis très pressée. Bah... Allez, on retente toutes les portes une par une. Pas besoin d'aller là. Je vais voir dans ma chambre. On peut pas le torturer jusqu'à ce qu'il nous aide. J'en ai pas besoin pour le moment. Pas besoin d'aller là. Putain. Je peux pas faire toutes les portes non plus. C'est chiant, je sais même pas ce que je cherche. Lui, il aura un anneau. Je vais aller visiter. Je suis allé à ton cimetière, gros, mais il y avait rien. Je vais refaire toute la rue, on sait jamais. Pas besoin d'aller là. Putain, on voit le vieux d'ici en fait.
Il faut avoir l'œil, hein. Il y a vraiment une tache de merde sur l'écran, quoi. Pas besoin d'un. On est fermé, revenez demain, c'est ça? Je suis fermé. Pas besoin. Pas besoin. C'est nul. Il y avait des trucs chez le notaire. Ah oui, c'était la clé. C'était la clé de la porte pour aller à l'usine et tout là. Donc, y a pas autre chose. Il y avait un. Je viens de trouver. Je viens de comprendre. Putain, mais si c'est ça, c'est vraiment débile. Putain, c'est ça. J'ai un papier à prouver, je suis sûr. C'est pas ça. Ok. Pourquoi j'ai réparé ça alors? J'oubliais, je dois laisser le notaire se reposer. Mais non. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme papier ici? Ça, je sais pas ce que c'est. Et non. J'ai un papier à mettre là. Qu'est-ce que je pourrais signer? Un truc des archives. J'ai toujours ma fucking clé avec moi là. Pas besoin d'aller. Pas besoin. Ah, la clé de ça? Non, il n'y avait même pas l'animation. Cours là, putain de ta mère. Elle a du mal avec les escaliers, je crois, Kate Walker. Que c'est long comme animation, putain. Ok, donc là, il n'y a vraiment rien. Est-ce que j'ai. Non. Est-ce que j'avais trouvé un document quelque part, je crois pas. Dans le labyrinthe, il n'y avait plus rien. Dans l'usine, il n'y avait rien. Si je refais le truc du charbon là. Ça fonctionnerait. J'ai déjà fait une fois. Bah ouais. Ah, c'est peut-être la maison ce coup-ci que je peux ouvrir. Au lieu de passer par le grenier là, comme une psychopathe. Oh non, pas la gare.
Alors peut-être. Encore une fois, il n'y avait pas un truc de... Enfin, il n'y avait rien qui indiquait qu'il y avait une serrure, donc... Je pouvais pas savoir chercher une clé, quoi. Non. Cette porte est verrouillée. T'as une clé, grosse connasse! Je peux pas utiliser la clé. Peut-être par la porte de derrière. Il y avait quoi là-dedans là? Je sais plus. Putain, j'ai une clé et je sais pas à quoi elle sert. Ah, clic droit, ça ouvre le menu, trop bien. Et ben, monte. Ah oui, c'était la malle pourrie qui montrait rien du tout là. Ah bah c'est là où j'ai eu l'encre. Ok. Donc y a rien d'autre. J'espère que c'est pas un truc qui est derrière mon. Non. La fenêtre d'enregistrement, parce qu'en haut à droite, moi j'ai une fenêtre d'enregistrement. Pourquoi je peux venir ici s'il n'y a rien? Chemin là, hein. Il n'y avait qu'à gauche. Je sais plus ce que j'ai récupéré là d'ailleurs. Ah oui, c'est la grande clé pour l'échelle. Eh hey, mon potager, je sais pas quoi là. Allez Gollum, ta gueule. Ah oui, c'est la statue. Pareil, absolument rien à faire ici. Eh ben, j'en ai bien plein les fesses déjà. Je crois que je vais devoir aller voir les Solus. Si c'est la clé là. C'est débile. C'est bon. Bah, à mon avis, c'est forcément dans l'usine. Hein. La gare, le petit truc de la gare. Je sais pas pourquoi il y aurait la clé dans un monastère. Bon, j'en sais rien. Allez, c'est bon pour cette fois. Dans 2 heures, je vais faire une partie.